Deux vidéos enflamment les réseaux sociaux depuis le week-end dernier. La première a été filmée à l'angle de la rue Sainte-Catherine et de la rue Maison Dorade. Un manifestant s'écroule au sol après un tir de lanceur de balles de défense par les forces de l'ordre. Gravement touché à la tête, l'homme se relève le visage en sang. Il est transporté à l'hôpital où il a été opéré pour une hémorragie cérébrale puis placé en coma artificiel. À la vue de ces images, le procureur de la République pour une enquête pénale, le préfet pour une enquête administrative ont saisi l'inspection générale de la police nationale afin d'en déterminer les circonstances. Pour la Ligue des droits de l'homme, visiblement, la procédure très réglementée de l'utilisation des flashballs dans ce type d'événement ne semble pas avoir été respectée. La réponse des policiers en termes de maintien de l'ordre doit répondre à deux principes, la nécessité et la proportionnalité. Il n'est pas du tout évident qu'il y avait nécessité de faire usage, et en tous les cas, la manière proportionnelle n'y est pas du tout, puisque le résultat est que la personne se retrouve aujourd'hui au coma, dans un coma maintenu à l'hôpital, et qu'effectivement, il y a lieu de s'interroger sur la façon dont les policiers sont intervenus dans ces conditions-là. Ce responsable de la Ligue des droits de l'homme en Gironde d'expliquer que ces lanceurs de balles doivent être utilisés en dessous des épaules. Contacter les syndicats de policiers n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce cas, se retranchant derrière leur devoir de réserve. La seconde vidéo est tout aussi choquante. Tournée samedi en début de soirée, elle montre un homme qui semble être pris en étau et tabassé par des policiers. Pour le collectif contre les abus policiers, le CLAP, cette vidéo est sans équivoque. Mais on voit concrètement un homme qui a été arrêté, qui se trouve encerclé de policiers à un abri de bus, qui ne représente plus aucun danger si jamais il l'a représenté. Et en tout cas, à ce moment-là, il n'en représente aucun, qui est passé à tabac par les forces de l'ordre. Ce n'est pas la version que donne un responsable syndical des forces de police. L'homme en état d'arrestation s'en serait pris auparavant aux policiers, frappant l'un d'eux avec un pavé sur le casque, avant d'être interpellé par les forces de l'ordre. Pour ce responsable syndical, cette interpellation, même si elle semble violente, entre tout à fait dans un cadre légal. L'homme aurait refusé de se rendre, il aurait même été armé d'un pavé à la main. Ce monsieur qui était sur un arrêt de tram s'est agrippé sur le banc. Et donc, il y a des techniques de police. Hein. Vous tapez sur les trapèzes, ça vous fait lâcher systématiquement ce que vous tenez dans les mains. C'est une technique qu'on apprend en école de police. Les techniques qui ont été employées sont tout à fait légales. Je peux vous rassurer, je rassure d'ailleurs tout le monde là-dessus. Les policiers sont très professionnels. Cet homme est passé en comparution immédiate pour participation avec arme en vue d'un attroupement après sommation. De se disperser, il a écopé de 2 mois de prison avec sursis, mais il devrait faire l'objet d'une nouvelle plainte pour violence envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, au moins 10 manifestants ont fait l'objet de graves blessures lors des manifestations bordelaises.